Dziękuję. The crafty, please be seated. The president, by the defense counsel. Merci, Monsieur le Président. Un petit problème technique que j'aimerais que nous réglions. Les interprètes ont du mal à traduire et les anglophones et les francophones ont du mal à comprendre tout ce qui se dit. J'ai demandé à l'accusé de parler plus lentement et de faire des pauses, mais je crois qu'il serait utile que l'interprète du Khmer à l'anglais from Khmer to English, fasse savoir quand il a un problème. When he has a problem. Parce que because sinon, la traduction qui arrive en bout de chaîne n'est pas the correcte. End of the line is not correct. Donc nous sommes so dans une audience de justice. Si l'interprète ne comprend pas, veuillez bien le signaler. La deuxième chose, est-ce qu'il y aurait un système technique pour que quand l'accusé prononce des noms propres, soit des noms de lieux, soit des noms de personnes, les greffiers, et notamment les greffiers cambodgiens, puissent écrire immédiatement ces noms que nous verrions sur nos écrans. Et nous serions, en tout cas, en lettres romaine pour le nom Khmer, pour que nous puissions être sûrs que nous comprenons bien ce qui est exprimé. Telle est ma demande, ça ne devrait pas être difficile que les greffiers cambodgiens puissent nous mettre sur les écrans les noms propres quand ils sont prononcés et l'accusé à ce moment-là voudrait bien parler plus lentement aussi pour les noms propres. Speak a little bit more slowly so that we can get the proper names properly. The President, the trial chamber acknowledged the request made by the defense counsel. Fait droit à la demande exprimée par la défense concerning the greffier. The greffier also took note of the request. Donc reconnaît cette demande. First, I would like to clarify tout d'abord, that j'aimerais the accused, when responding to the question, insister et inviter l'accusé by the parties and the chamber itself, please speak slowly. Parler lentement lorsqu'il leur répond and aux questions secondly, posées par la chambre. Et deuxièmement, please speak in short phrases. Veuillez in order faire to facilitate des the interpreting. Courtes de manière and à faciliter for le travail technical des request, interprètes. The trial chamber will facilitate with the IT section. De la demande technique, eh bien, nous allons image section in order to make these les services informatiques vont before we essayer de faciliter our questioning regarding choses. The pour security ce qui est des office noms M13, propres. The chamber would like to des noms de notify lieux. Other parties alors, nous that revenons à M13 et la chambre souhaite signaler aux parties que si les parties response regarding the si elles accused questionnings by interview by the UNHCR, Mr. Christophe Pessou, par document D09, D-O-I-A-N. Alors, dont le RN est, donc c'était le document de Monsieur Pechou. From 849. Donc, 8, 7, 4, 8 jusqu'à 7, 8. Please 8. Do your submission si not in excess of 4 pages in the Khmer language faire, and 2 pages in the Khmer or the French de, version. Pour ce qui est de la version Khmer,
en deux pages. And the deadline is the 4 p.m. of the 8th April 2009. Veuillez faire if you wish part to do de vos so. Observations d'ici 16 heures le 8 for avril. Our next donc dans les I would différentes like to langues Judge de nos différentes langues de travail. Nous allons maintenant poursuivre et je vais laisser la parole à Monsieur le juge the Lavergne. The prosecutor, the floor is yours, says donc, the president. Sorry. Le président, la parole est à l'accusation. Donc, là encore, est-ce que vous pouvez nous rappeler les pages et les langues pour ce qui est, pour, de manière à pouvoir faciliter la traduction de ces références de ERN et de pages n'était pas très claire, ainsi que les langues. Le président. The submission is no more than two pages for the donc, French or the English version. For the Khmer version, the limit is pour la version Khmer, la limite est fixée à 4 pages pour la présentation des observations des différentes parties par rapport au document de M. Péchou. For the next proceeding, please, Judge Lavergne, nous allons désormais passer la parole à M. le juge Lavergne. Allez-y, poursuivez avec vos questions qui s'adressent à l'accusé. Nous allons donc poursuivre en ce qui concerne le contexte historique de la création de M13. Vous nous avez parlé du coup d'État, vous avez parlé de l'appel du prince Sihanouk, vous avez parlé des forces Khmer Rouge, et vous avez précisé que vous n'avez pas été témoin direct d'un certain nombre de faits, vous n'étiez notamment pas dans l'armée à ce moment-là. Est-ce que vous faisiez partie de l'armée des Khmer Rouges ? Were you part of the Khmer Rouge army or not? The accused. L'accusé. In December 1970, en décembre 1970, there was a committee for sector 25. Un comité pour le secteur 25. I was a political instructor at the military base. At the time, I was not a cadre, a leadership cadre for combat. Je ne faisais pas partie des cadres pour l'aspect combat. In May 71, en mai 71, I noticed that the environment j'ai remarqué at that time que was le contexte not de l'époque revolutionary n'était pas it was de nature révolutionnaire. Il s'agissait so de I went lutte to intestine. The et donc je suis allé in dans summary, la zone du sud in the army, ouest. But I was a political donc, résumé, instructor. J'étais dans l'armée, mais j'étais un instructeur politique. Est-ce que vous avez été témoin de bombardements et quel type de bombardement vous avez pu constater? L'accusé. In sector 25. In Sa'ang and Khartoum areas, dans le secteur 25, dans I la zone de Sahara et de Dakar, j'ai vu from the aéroplane bombardements, donc des bombes larguées d'avions, in Khmer. Donc ce qu'on appelle Sky Radar en Khmer, il s'agissait bombed, de and also bombes a flame bomb. Conventionnelles et de bombes at that time, there were heavy artillery, des bombes incendiaires. From the donc Khmer il y a eu effectivement des combats liberated area in Great dans cette market, zone libérée. Donc des combats Sahang, avaient lieu to the liberated dans zone. Sahang jusqu'à la zone libérée. When I went to Omlang, lorsque je me suis rendu à Omlang, I did not see it. Je n'ai rien I saw je n'ai pas ordinary vu bombed
J'ai vu ici des bombes conventionnelles par dropping on the villages. Les sky radar, des bombes étaient larguées sur des villages. And they firing from the airplanes to et également les avions mitraillés le sol à proximité de ma base. And the B-52, I saw it in the sky when I light down ciel, and des B-52. Saw it. But it did not drop the bomb there. Mais les bombes n'ont pas été larguées, en tout cas, je n'étais pas témoin oculaire de largage near de B-52. Et donc les bombes étaient larguées special, dans le sud-ouest, à proximité des Southwest Ones. Je vais revenir George Lavergne. Entrer shall now au Parti communiste. Quand vous devenez membre, quand est-ce que vous êtes devenu membre à part entière du Parti communiste? Est-ce que vous avez d'abord été candidat? Est-ce qu'il y a quelqu'un en particulier qui vous a présenté? Comment ça s'est passé? I would like to clarify that je souhaiterais préciser 1965-66, I joined an organization called Mass Population Movement. It's a CPK mouvement de population de masse. Il s'agissait d'une organisation PCK. L'objectif I do not know était what de is the rassembler les personnes. Je ne sais pas quel est l'équivalent de ce mouvement en langue étrangère. Comment ce terme, ces termes que like je choisis, peuvent être traduits? J'aimerais préciser that que ces organisations, ces groupes auxquels je me suis joint, étaient correspondants un petit peu à la Ligue de la jeunesse cambodgienne. I was asked to join that organization. Donc, étant donné, later, as I informed your honors, in early October 67, 67, one man told me that the party decided to let you join the party, but the induction was not able to do it at that place, but it would be conducted in another place, in a remote area. And in the remote area, I met Kai Pok, the secretary general of the old North Zone, and then I was inducted into the party as a candidate. Introduit dans le parti en tant que candidat. As a candidate of the party. En tant que candidat au parti. On the 25th of December 70. Et le 25 décembre 70, je suis on the 5th of January. Donc le 5 janvier. On the 25th of December 69. Pardon, le 25 décembre 69, je me suis mélangé avec les dates. Excusez-moi, je vais reprendre. Je suis devenu membre du parti le 25 décembre 67, donc le 25 décembre 1967. Je suis candidat par M. Kai Pok, the secretary of the old North Zone. L'ancien secrétaire de la zone on the 5th of January 68, I was arrested and detained 68, in a prison. J'ai été arrêté et détenu. When I was in that big prison, j'ai été emmené dans une grande c'était le frère Tepsin qui s'en occupait. Introduced as a full right member on the 20th of May. 20 janvier 69, j'ai été présenté par Tepsin. This brother Tepsin, et ce frère Tepsin, changed his name to Sorsin a later changé son nom on. Plus tard, donc brother Tepsin. Sorsin was a permanent member Sorsin of the National Assembly. Membre plénipotentiaire de l'Assemblée nationale. He introduced me as a full right member on the 20th of July 1969. Donc en le 20 juillet 69, c'est bien ça.
Vous nous avez parlé tout à l'heure de vos enseignants. You told us a while ago vous avez dit qu'ils avaient eu une importance pour vous. You said est-ce that que played an important role in your life? C'est par l'intermédiaire de des enseignants que vous avez fait la connaissance du Parti communiste did ou comment avez-vous fait la connaissance to du Parti communiste? The Communist Party through your teachers? How did you get to know the Communist Party? The accused. L'accusé. I would like to clarify that je souhaiterais préciser que tout d'abord, my teacher, my official mon teacher, enseignant officiel, there were one or two of them who made me interest on the political movement. Ont éveillé mon intérêt par rapport au mouvement politique, Monsieur Kai Kompot. And my future teacher, Sun Sen. Et mon but I fully joined the politics. Monsieur, futur enseignant, Monsieur Sun Sen, mais j'ai. Due to the fact that the government étant donné le fait que le arrested more than 10 progressive men, including Kai Kompot, and that's when I fully joined the movement together with other friends. Que je me suis rallié à ce mouvement at the Pedagogical Institute et at the National Pedagogical Institute pédagogique national. It was where the training institution, was conducted for the progressive men. L'instruction était at that time I joined the movement with other friends with Calzaron. Avec Calzaron, nous étions un groupe d'amis. Was Calzaron était first promotion student from Kampong Thom. Donc, appartenait à la première promotion. Il était en fait formateur de formateurs. Together with some of my older friends from my village. D'autres de mes anciens amis de mon village. Nous avons étudié ensemble. Nous avons été formés ensemble. Et donc les enseignants, alors ça constitue une partie, mais la décision de rallier les rangs du mouvement révolutionnaire, eh bien c'est un autre pan de l'histoire. L'enseignant qui m'a influencé, but the biggest one was Sun Sen, que ces deux-là, mais le plus important était Sun Sen, qui est devenu ultérieurement mon supérieur hiérarchique. And those who joined the activities together with me was Saron, who s'appelait Saron Puyir, Unlon, alias Nat, the first S21 chairman le premier at a later stage. Directeur qui allait devenir ultérieurement le premier directeur d'S21. We conducted the activities nous together. Avons mené de concert les activités. Il y a cet événement extrêmement important qui est votre arrestation et votre détention. Si j'ai bien compris, vous avez été arrêté le 5 janvier 1968 et vous avez été libéré le 3 avril 1970. Est-ce que c'est exact? The date that Your Honor described is correct. Venez de mentionner it's sont from exactes. What I have just spoken to you. Effectivement, c'est ce que je viens de vous those déclarer. Who arrested me ceux qui m'ont arrêté were in Chamkale, étaient à Chamkale district, Kampong Cham province. De Chamkale, province de Kampong Cham. They were police. Ils appartenaient of the Norodom Sihanouk. La police de Norodom Sihanouk. Those who arrested me ceux qui m'ont were arrêté from Stoung, Mr. Soon, Monsieur Soon, who was one promotion before me at that qui, college. Avait été en fait faisait partie de la it promotion was his précédente. Duty to arrest me, but I could not escape. Il so devait m'arrêter. That's how it happened. They were the police force. M'échapper à cette arrestation. Et donc, ils faisaient partie des forces de police. Ils m'ont incarcéré à Toulkok, au poste, au commissariat de Toulkok, non pas au commissariat national Pasteur Rouk. J'étais incarcéré.
in at a location in Turkok area. In general, the Khmer Rouge will be imprisoned. Et en général, at the general police headquarters or the PJ, au centre PJ prison. De la prison, donc au centre pénitentiaire de PJ. So I was in prison at the Norodom Sihanouk prison. Carcéré à la prison de Norodom Sihanouk. J'étais arrêté par la police judiciaire, donc ici later, à Turkok. Ultérieurement, on m'a libéré. As everybody knows, comme the event on the 18th of March, General Lunol conducted coup d'état to overthrow Lunol. Le général Lunol a mené un coup in d'état. In order to boast to the world that he was not cruel, as vanter auprès du monde entier qu'il n'était pas cruel. Who arrested people to and imprisoned them? So he released those prisoners, those political prisoners, including the Khmer Rouge, the Free Khmer, and the Yip Kong and the Thieu Ki. Les Tiouki, les Vikong. The words that I use, Tiouki, et le mot que je viens d'utiliser, Tiouki, était utilisé people. Par les Khmer. The official name, terme, le nom officiel, was était the Royal the Republic Government of Vietnam, le gouvernement de la République du Vietnam, led by Nguyen Nhan Thieu, sous la houlette de Nguyen Nhan Thieu, and Nguyen Cao Ky, his deputy. So at that time, the political prisoners donc, were all released, including myself. Les prisonniers politiques étaient libérés, ont été libérés à ce moment-là, et j'en faisais partie. I would like to take this opportunity to je inform the honors, as I said this morning, d'informer la that chambre, comme je l'ai dit ce matin, I was warned to be careful at the time. On m'a prévenu, on m'a dit qu'il fallait faire attention. Lunol's younger sibling had a secret agent to arrest and execute people. Des arrestations and now let me continue. Les so it was the police permettez-moi of the Sihanouk who arrested donc, me and Lunol la police judiciaire was the one who released Lunol me. Est celui qui m'a libéré, par lequel j'ai été libéré. Le motif pour lequel vous avez été détenu, en tous les cas tel qu'il ressort de l'ordonnance de clôture, est le suivant. Atteinte à la sûreté de l'État en relation avec l'étranger. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez comparu devant un tribunal, si vous avez été jugé, si vous avez pu vous défendre? Est-ce que vous avez été condamné à une peine et quelle peine? Were you sentenced and to what? The accused. I would like to clarify that the allegations on me was a classic one. Les accusations qu'on a portées contre moi étaient des accusations classiques. The peace of the territory and collaborate with the foreign power. Collaborer avec une puissance étrangère contre la paix sur le territoire. Accused on the Khmer Rouge and the Free Khmer. C'était les accusations qu'on portait contre les Khmer Rouges et contre les Khmer libres. From the 5th of January, j'étais en prison le 5 janvier 68 until June. Et je suis resté en prison tried. Jusqu'en juin au moment de mon procès, mais je n'ai jamais vu aucun avocat jusqu'au jour de l'audience. I saw Mung Rao Kham, who was my lawyer. Mung Rao Kham était mon avocat. It took half a day to try me. Le procès a duré une demi-journée. I was imprisoned for 20 years with hard labor. J'étais condamné à 20 ans de prison de travaux forcés et je n'ai pas fait appel. So, a fortnight after, I was transferred to a tard, big prison in Phnom Penh. Dans une plus grande prison de Phnom Penh. It was called Central Prison. Qui s'appelait prison centrale. At that place where I met with the branches of the secretary who conducted his clandestine activities. Et c'est là que j'ai fait la connaissance de militants du mouvement clandestin. Et
est-ce qu'avant d'être transféré dans cette prison centrale, vous avez été détenu dans une prison qui était à Pressar ou à proximité de Pressar? The accused. First, I was in prison and a police prison in Turokok, like d'abord, I informed your honor just then. Later on, I was transferred disais, to ensuite, PM prison in Phnom Penh. Dans une there were two PM prisons at the time. Phnom Penh. Il y avait deux prisons the de ce Phnom Penh genre section, PM prison. De la police militaire. And the nationwide PM prison. Il y avait, I was imprisoned in both locations. Alors j'ai été incarcéré and aux I think deux it was endroits. In May, et je crois que c'est en mai 1968 I was transferred from que j'ai été transféré Phnom Penh prison de la prison de Phnom Penh à Pressar. An army prison of the Lon Nol. Était une prison militaire de Lon Nol. That was when the prisoners were shot. And terrorized c'est for every breath they take, they took. That was when two persons were executed. Les prisonniers. Certains étaient exécutés illegally, de even illégale, when we were imprisoned in the prison. Alors même que nous nous trouvions en prison. One person's name, Lao San. Lao San. He was executed. Est un exemple. And il the other person was a exécuté. Peasant. Et je pense aussi à un autre qui est Ching un paysan. Hop. Ching Hop. He was also executed. Qui a aussi été exécuté. They were caught and I saw with my own eyes. Ça, je l'ai vu de mes yeux. Therefore, I was in prison in Pressar prison. Donc j'ai bien été emprisonné après ça May, de mai 68 until June, jusqu'en juin and of June or early July 69 juin ou début when juillet 69 to moment the où j'ai été prison. Transféré à la prison centrale. Donc vous venez de nous dire que vous avez été le témoin direct d'exécution illégale pratiquée sur certains de vos codétenus. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus précisément vous avez parlé de terreur. Est-ce que vous pouvez nous indiquer plus précisément les sentiments, la façon dont vous avez pu vous-même vivre ce temps particulier de votre détention? This particular period of your detention. The accused. When I was in prison, at the police prison. Quand j'étais à la prison de la police. In Turokok. À Turokok. I and the police. Spoke on a friendly basis. Les policiers et moi ont parlé. As an ordinary on avait person. Des conversations normales, comme des gens ordinaires. Every day. Amicales même, chaque jour. When I was at the PM prison ensuite, in Srahjok, comme quand je me suis retrouvé à la prison de la police militaire à Srahjok, for me not to talk to other inmates, il m'était interdit de parler à d'autres détenus. From the chief, c'était une interdiction. From the chief of the room, who was also a prisoner, qui venait du chef de la salle, de la cellule, qui était lui-même when un prisonnier. I was at Pressar prison, et ensuite à la prison de Pressar, the vicious person was the chief of the room, who was also the prisoner. Le chef de cellule était aussi un prisonnier. He reported. He kicked. Qui frappait, dénonçait. If we made a mistake. Les détenus qui faisaient une erreur. Qui commettaient une faute. As for the two friends. Who were let out of the prison
I saw they were let out of prison, but I did not witness execution with my own eyes. J'ai vu qu'ils they étaient libérés, mais je n'ai, je n'ai pas vu qu'ils ont été exécutés. Je n'ai pas vu de mes yeux. So ils they sont were out of the partis. Room. On les Everybody a emmenés de la cellule et on ne les a jamais revus. Mais tout le monde savait qu'on prenait. And later on, I tried to find passait. Them, but tard, I could not les retrouver, find them. Mais je n'ai pas réussi à les retrouver. That's, this is about the execution at voilà Prisor. Pour les exécutions après Sor. I did not talk about the killings at a prison, which was infamous. Et pour les exécutions but d'autres prisons, ils étaient notoires. Mais ça, je n'en ai pas parlé. Est-ce que vous-même, vous avez été soumis à de la torture, à des pratiques violentes, ou est-ce que certains de vos co-détenus ont subi des pratiques de torture? À la prison the interrogator was a lieutenant. L'interrogateur est un lieutenant. He only verbally abused me. Qui n'a fait que m'insulter. When I was detained there, there were also three other persons who donc were detained verbale. With me. Et these au three persons, là, il y avait aussi trois autres co-détenus, I knew, des some of them were paysans. Beaten. Dont certains ont été frappés. When I was at the PS prison, the beater, the torturer on the Khmer Rouge. Ensuite, were Chet Yew and another Chet inspector. Et un autre inspecteur, Hum or Hom ou Hom. He was infamous for beating our prisoners, but that was their business. Prisonniers. I heard about it, but I did not witness it. Célèbre pour ça, mais je n'ai pas vu de mes yeux. Moon Kien. Il y avait aussi Moon Kien. He was an agricultural inspector. Qui était the un police inspecteur. Beat him even when he was at Prisor. Il a été frappé par and we saw the bruises on his thigh. À Prisor, on a pu he voir showed me. Les équimoses I only saw the marks on his cuisses. Side. So I myself personally was not beaten. Moi-même, je n'ai pas été frappé. They, however, beat some of the persons who were detained with mais me. Des co-détenus ont été and battus. At the PS, I saw an evidence that the prisoners were et beaten. J'ai pu aussi voir les traces de coups sur d'autres prisonniers. Quel jugement portiez-vous sur ces pratiques que vous venez de nous indiquer, même si vous n'avez pas été le témoin direct, quel jugement vous portez sur ces pratiques, à la fois des exécutions que vous avez qualifiées de illégales et des pratiques de torture? Qu'est-ce que vous en pensiez? Before I joined the revolution, I read avant a book de rallier la révolution, on the revolutionary strugglers. Sur les combattants révolutionnaires. I read some books from China. Des livres aussi qui venaient de Chine, Yun. Qui venaient du Vietnam. One book from Yun was about the torture. Notamment un livre the qui parlait de la torture. The La prison of Bagne. So that's the torture le titre method comportait in there. Le mot bagne et on y expliquait les méthodes de torture. I determined that if
I was in prison, I would be tortured. Et j'en ai conclu que si j'étais jamais emprisonné, je serais torturé ou tué. That's only what I was thinking. Whether it was justly or not, we could not c'est say, ce que je but pensais. We knew. Est-ce que ça allait vraiment se passer comme that's ça? What would happen. On n'en savait rien, so mais we c'est ce qu'on pensait. Et nous étions prêts à cela. That was the truth about my revolutionary life. Ça, c'était la vérité de la vie révolutionnaire. La réalité de la vie révolutionnaire. Alors, je vais peut-être être un peu plus précis. Est-ce que ces pratiques de torture que vous connaissiez avant d'être détenu, auxquelles vous nous dites avoir été confronté pendant votre détention, est-ce que ces pratiques vous paraissaient normales, acceptables, ou est-ce qu'elles étaient, selon vous, scandaleuses? The accused. I have said I was ready to receive such torture. J'ai dit que j'étais. As a revolutionary instructor, I was not afraid. I knew it was coming. Comme tel, je n'avais pas peur. Je savais que ça allait venir. However, to consider it as a crime, mais it was only in my thought, but there was no means to oppose it. Il n'y avait pas moyen de s'y opposer. I joined the revolutionary in order to change, to transform that society, to transform this sort of event, to oppose that government, to oppose that torture. Et pour m'opposer au gouvernement et la torture. So it would finish at the end. Pour y mettre un terme. And I even thought about a movie that I watched. It was from China. Four of us watched that movie. Vu comme ça it was spoken in chinois, Chinese. But there was one lady, one woman, Lao Qiu, who was an interpreter Lao at the time. Lao Qiu was about similar nous. To my age. Une femme she interpreted âge que for moi, us. Qui a donc when the revolutionary won, et quand la révolution a gagné, the crackdown, the espionage would be in that way too. So for us to make judgment whether it was acceptable or not, donc, we knew it was que a crime. Cette torture soit acceptable ou non, but how could we oppose it? Nous savions what que c'était means pas we bien, have to do it? It means we had to join the revolutionaries, the revolution. Pour cela, il fallait and we believed when we joined révolution. The Communist Party would try to monitor the activities of those criminals as in that movie. Suivrait les activités de ces criminels comme dans le film. Est-ce que pour vous, la torture et les exécutions étaient des actes criminels? Were the torture and execution crimes? The accused. Allow me. Me copy. Now it's different from that area. Aujourd'hui, I understood at the time it was criminal. Les choses sont différentes however, de l'époque. Before 1970, they were responsible for the history. We, avant the son of the motherland, had to defend the people and its territory. Nous devions défendre le peuple et le pays. Therefore, later they said, the democratic Cambodia was a legitimate government et plus tard, and recognized by the United Nations. Cambodia démocratique est apparu so comme un gouvernement légitime, the police, reconnu you had, no Unies. Fault. Donc, but now, la police n'était pas fautive. I did not want to use those pretexts or mais those events to protect myself. I want the court, your honors, to judge me, to try me, and if I make a mistake, then judge me accordingly. Et si j'ai fait une erreur à l'époque, je demande so those que je were the words we used in order to comfort ourselves. That's all. Nous justifions nos actes. C'est tout. Judge Laverne, yeah. Je ne parle pas de I'm vos not actes. Speaking about your je parle actions. De la torture que vous dites avoir été pratiquée à Pressart et je parle des exécutions. Est-ce que oui ou yes, non,
pour vous ces actes? Est-ce que oui ou non pour vous ces actes étaient des actes criminels? The accused. Did not understand your honor's question well, but now I try to respond. I understood that the activities by the police on the Khmer Rouge members at the time was criminal. It was a criminal act. In order to eradicate that criminal act, we have to do the revolution. Les activités menées contre les Khmer Rouge étaient criminelles et pour les opposés de faire la révolution. Donc les activités de la police contre les Khmer Rouge étaient des activités criminelles. Judge Lavergne, yeah? Toujours concernant vos conditions de détention, est-ce que vous pouvez nous dire si vous aviez suffisamment à manger? Si vous avez reçu des visites de votre famille, si vous aviez la possibilité d'écrire, si vous aviez été traité d'une façon inhumaine, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces conditions de détention? Je parle du temps où vous êtes détenu, vous. The accused. I have informed the judges already the conditions of detention, of my detention, and of others' detentions are different, were different. At the police prison, the food ration was an ordinary ration from the central prison. It was hard to eat. But the police who guarded me gave me one reel. At that time, we still used one reel each. So then we could buy the sugar or the salt to add to our food. Sucre ou du sel à la nourriture qu'on nous donnait. We slept on the mattress, but it was old. On dormait sur un matelas, mais c'était un vieux matelas, sale. When I was at Sracho, the food ration was a bit better, and at Prisor, the food was also better. Après ça, la nourriture est aussi meilleure. But then there was also the stealing of the food. Mais on nous volait souvent la nourriture. So for those chiefs of prisons, they stole a lot of food from the prisoners. Les chefs de la prison volaient beaucoup de nourriture aux détenus. The friendships of the politicians at the central prison forced the government to implement CROM 13. À la prison centrale, les directeurs étaient obligés d'appliquer le CROM 13. Et donc les détenus recevaient rations qu'on n'osait pas leur prendre. The detention was done according to that CROM. La détention était régie par le CROM à la prison centrale. And for the visit by family members, et pour ce qui est des visites de membres de la famille, when I was at the police station, my mother could not come and visit at the PM prison. My mother could not visit as well. But when I was at Prisor, my mother could visit me. Pour que ma mère puisse me rendre visite. My family members and friends could visit me at will. It was every day, every one day of the week. It was on Thursday. Venir le jeudi, un jour par semaine. And when I was at the central prison, the food was much better. There was also a medic on standby. Il y avait aussi there was a sufficient medicine. De garde. Il y and families could visit at any day. Et les familles pouvaient venir n'importe quel jour. They had to pay 30 riels for each visit. Les familles payaient 30 riels par that visite. The condition of detention, voilà which was different from one prison to another. Qui était donc différente d'une prison à l'autre.
Vous avez été libéré le 3 avril 1970. Est-ce que certains membres de votre famille ont essayé d'intervenir pour faciliter votre libération ou pour avancer votre libération? L'accusé. I would like to talk about the policy of the General Lunol. Je voudrais évoquer after the coup d'état, la politique he conducted his policy, après le coup d'état, as I informed your honors. Sa politique, comme je vous l'ai précédemment he released expliqué, all political prisoners, il a libéré both the Khmer Rouge, tous the free les prisonniers politiques, principalement les Khmer Rouge, les Viet Cong, and the UNT government officials in order to tell the world that Sihanouk was vicious and that he was a proper man and did not accuse or put any person in prison at will. That was the political context that I would like to inform your honors. Et c'est le message qu'il voulait projeter au reste du monde. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je pense que vous n'avez pas exactement répondu à ma question, donc je vous la repose. Est-ce que certains membres de votre famille sont intervenus pour faire avancer votre libération ou pour demander votre libération? I would like to tell your honor. Je souhaiterais vous informer. I was tried already. Que on m'a traduit en justice. And my mother came to her cousin. Ma mère s'est adressée à un cousin. And her cousin was the nephew. Son cousin était le neveu. The nephew-in-law of Lunol. Le neveu par alliance de Lunol. I was not sure whether my aunt had any relation to that. Avait une relation, je dirais. When my aunt went to meet, I'm not sure which aunt, because I did not meet her. Quelle était cette tante, parce que je ne l'ai pas rencontrée. She went to meet her father in order for my release. That was what happened. Pour intercéder. And if I signed an apology letter, I would be released. Ensuite, on m'a informé ultérieurement que j'allais être libéré. But I did not sign it. Mais because I knew. Signer ce. I believe that Lunol would be defeated. Je savais que si je signais ce document de libération, but my cette lettre d'excuse, I never eh bien, je serais that. Libéré. Mais ultérieurement, j'étais libéré par Lunol. Donc, je dirais que that was je n'ai pas oublié it was ce que cette personne when I was released. Fait. Et donc, c'est à ce moment-là, c'est par la suite que j'ai été libéré. My uncle and my aunt, mon oncle et ma tante, I never forget them. Je ne les oublierai jamais. When the revolution would win, et lorsque la I would assist them, révolution in order to pay us gratitude, so that we could walk our own separate ways. D'arriver au pouvoir, so eh bien, je ferai quelque chose however, de manière à ce que April, pouvoir les remercier. Into et donc, bits and pieces, only one family member of mine from Siem Reap survived. Seulement, and most in Kampong Klang area suite were aux événements gone. Qui se sont produits par la suite, that un seul des membres de cette famille n'a survécu et donc really c'était vraiment. J'étais so dans un état de colère par rapport à cela, par rapport aux êtres chers qui avaient disparu. Judge Lavergne, ces interventions étaient connues dans votre biographie officielle au Parti communiste? Official biography that you provided to the Communist Party, was this known to the Communist Party? The accused. L'accusé.
I never said about this biography to the CPK. Je n'ai rien dit tout cela dans ma biographie. At that time, I resolved the matter with my mother that way. À l'époque, j'ai résolu la question avec ma mère de cette manière. Eh bien, je lui ai dit. I was trying to hold on to the branch of a tree of the Khmer Rouge. J'ai brandi. And if I give up this branch, I took hold of another branch of Tanol. La branche des Khmer. Enfin, je me suis servi de la branche des Khmer Rouges pour monter. The Khmer Rouge branch, et non pas the Khmer Rouge la branche de Tanol. Eh bien, si je quitte cette branche, est-ce I said, no, que les Khmer Rouges would vont not trust avoir me, and Tanol would not trust me as well. Si je quitte cette branche, eh bien, personne ne va avoir confiance so en moi et je vais simplement mourir. Et donc, and je ne peux pas lâcher cette branche. So were you willing to be in prison for 20 years? Et donc, effectivement, I said, vous êtes prêt no, à être emprisonné pendant une période de in the jungle, purger une peine de 20 years, they could come and liberate me from the prison. Parce que effectivement, mes amis vont qui sont dans la jungle en ce moment vont sortir, vont venir me libérer. C'est ce que j'ai dit. Your Honor, ah, ma mère. That's what I said. So this is my response to Your Honor. C'est ainsi que je souhaite formuler ma réponse à votre question. By my family, pas de l'intervention de ma famille qui a eu pour résultat ma libération. Et vous pouvez très bien poser cette question à ma mère, et c'est ce qu'elle vous dira. Judge Lavergne, pour vous, for you, personnellement, pour vous personnellement, speaking, il était possible de cacher certains éléments de votre environnement familial, on va dire, au Parti communiste. Vous n'ayez pas prêté serment d'être sincère? Didn't you take an oath to be sincere and devoted? The accused. L'accusé. The fact that when I raised my hand and swear to join the party, lorsque j'ai levé la main et que j'ai juré de rallier le parti, I did not betray. But on this particular matter, it was personal. Mais c'était ici une question personnelle, à savoir que j'avais déjà statué sur cette question et je n'ai pas trahi le parti pour me rallier à l'ennemi. Si ultérieurement cela allait être révélé, cela venait à se savoir, eh bien, j'allais être déchu. Mais je n'ai pas abandonné ma ligne politique. Broke out and revealed, même I would have no problem. That was my position. Ce point allait être devait être révélé, mais ce n'était pas un problème. J'avais parlé à ma mère, mais je n'avais pas protesté. Mais je lui dis clairement ce qu'il en était. It's not an action, betraying the party. Une action. I committed and sworn to be devoted to the party, and I did not betray the party at all. De servir de manière dévouée le parti, et je n'ai pas trahi ce serment. Judge Lavergne. Est-ce que c'est à partir du moment où vous avez prêté serment que vous avez changé de nom? The accused. L'accusé. The revolutionary name le nom was révolutionnaire the était that I was to be to selected from when I was studying in 1967. Que j'avais sélectionné, choisi. It was on Route 63 at the house where I stayed while I was studying. It was south of the Toltampung market. C'était à when you joined the revolution, Tupong, they asked us to choose another name, which was called the revolutionary un, name. Non, un autre nom. On nous a demandé de changer de nom et de choisir un nom révolutionnaire. Est-ce que ce Dutch nom Lavergne, avait une signification this name have a specific meaning? The accused. L'accusé. The name or its meaning was the names used by Cambodian people. It doesn't have any special meaning. Par les Cambodgiens. But for me, I chose to select that name because I like it. J'ai choisi de choisir ce nom parce que j'aimais bien ce nom. When I was young, lorsque j'étais jeune, my late grandfather
father on my mother's side. Alors, du côté de ma mère, mon grand-père, name défunt, was appréciait, il aimait bien ce nom, cette Buddha sculpture. And he was very skillful in his trade. Il s'appelait Duc et il était, très habile de ses mains. That, et donc, name, Dutch, moi j'aimais bien le nom Duc, le sculpteur, ce parent. Et donc j'aimais bien ce nom. I was at the, primary school, et lorsque j'étais en école primaire, à l'école primaire, there was a book said. The teacher asked Dutch to read the book. Et donc l'enseignant a demandé à Duc de lire ce livre. Il y avait un dessin. Et donc il y avait dans ce livre ce personnage Duc qui se levait. Sa tête était bien droite. And accurately. Il lisait clairement so avec that was the first précision. Text in that book. Et c'était le premier texte qu'il y avait dans ce livre. So ici, I was interested in that name, Dutch. Ce nom Duc, ça m'intéressait bien. C'était un nom. And when brother Chai came home, c'était bien comme nom. Said, et you need to choose a lorsqu'on name. M'a demandé and I said, okay, de choisir I un choose nom, Dutch. Eh bien, because voilà, moi j'ai dit, je choisis le nom de Duc parce que je savais que Kang Il était un nom chinois. Et lorsque je rallie les la révolution name. Khmer, eh bien, il and fallait avoir the j'utilise un nom Khmer. Is. Et donc, voilà d'où vient le nom Duc, la signification avec cette relation avec Dutch, le sculpteur Duc. Et donc, et également cette référence à ce livre. Et cet étudiant qui était dans ce livre qui s'appelait Duc. Voilà. Donc la Judge référence, so, c'est celle d'un élève student, qui est particulièrement obéissant, particulièrement discipliné, qui est obedient, toujours prêt à répondre, to toujours prêt à questions asked to him, apprendre, who's always ou toujours ready prêt to à learn, exécuter. Willing, to do what he's told. Was that the reference? The accused. L'accusé. John's speech is correct. Oui, vous avez I raison. Liked the name Dutch. J'aimais bien le nom Duc. Because I wanted to be parce que je voulais être a well-disciplined discipliné. Boy who respected un garçon the teachers, discipliné qui respectait les enseignants. Who awaited to do good deeds, qui faisait de bonnes actions. Judge Lavergne. Si on revient un petit peu sur if les raisons de a votre bit, engagement. To, the reasons behind your entry into, into vous your commitment. Vous avez fait part au cours de l'instruction d'un désir de justice, that you were une volonté justice. De défendre you wanted to defend, un peuple et de libérer and to liberate un peuple a que vous considériez comme you considered opprimé. Was oppressed. Vous avez dit and aussi que lorsque vous avez rejoint les Khmer Rouges, Khmer Rouge, vous vouliez libérer votre peuple your people et non and not commettre des crimes. To commit crimes. Est-ce que vous confirmez cela? Can you confirm this? The accused. L'accusé. I acknowledge. That I committed myself je reconnais que je me suis engagé à libérer la nation. My own people from mon any peuple, oppression. Mon propre peuple de toute oppression. I did not have any attempt to do any criminal activities j'avais pas on my country. De commettre des activités criminelles au nom de mon pays. That was my devotion, telle my conviction, ma or my oath. Conviction intime, mon serment que j'avais prêté. To the nation and à my la nation, people. Envers la nation et envers mon peuple. Vous avez également parlé Lavergne, de sacrifices, que vous étiez prêt à faire des sacrifices pour la révolution. Est-ce qu'à cette époque-là, vous aviez then, une idée have an idea du of
type de sacrifice que vous étiez prêt à accomplir pour la révolution. The accused. Yep. Talking about sacrifice. En ce qui concerne le sacrifice. I sacrificed in terms of money to the revolution. Alors j'ai sacrifié et j'ai fait un sacrifice sous forme d'argent. Je me suis rallié à la révolution et aux activités connexes afférentes à cette révolution. Et j'ai essayé de m'engager vis-à-vis de la révolution. I was not afraid of being imprisoned or being far away from my parents. Je n'avais pas peur d'être incarcéré ou d'être loin de mes proches, de mes parents. And I was not afraid of dying. Je n'avais pas peur de mourir. I would like to inform your honors that my trial at the time. Que le procès, mon procès qui a eu lieu It à l'époque, was in June, était, a eu lieu en juin 1969. In March 69, en mars 69, I was sentenced to be executed si on me condamnait à mort, à Prippen. If I was convicted that way, to be executed like Prippen, condamné à mort, donc pour être exécuté à Prippen. Prippen was a free Khmer who was executed by Prippen était en fait, pardon, un Khmer libre qui était exécuté par Sihanouk. Prippen was a cadre of the Free Khmer, c'était un cadre who was executed Khmer libre by qui a été exécuté par Sihanouk. I thought if I was convicted to be executed, si on me condamnait à mort, like Prippen, then what should I do? Comme Prippen, alors qu'est-ce que j'allais faire? I raised my hand and shouted, j'ai levé ma tête, bravo, j'ai crié bravo, the Communist Party of Kampuchea. Parti communiste du Kampuchea. That's what I thought. C'est ce and que then I j'ai kept pensé. Thinking. Et ensuite, if I was convicted to be executed and not immediately, pas pensé que si what should I do during that period? M'exécuter. Probably I would be imprisoned for qu'est-ce life. Qu'est-ce que j'allais faire si on n'allait pas m'exécuter? Qu'est-ce que j'allais faire? Est-ce que j'allais être condamné à prison à la détention à perpétuité? Therefore, my et spirit par conséquent, to be to sacrifice l'état d'esprit was always constant. Était empreint d'un sacrifice et ce sacrifice était constant. It was constant in my memory. Whatever sacrifice was, I would not withdraw myself. Tel qu'était ce sacrifice, tel que pouvait être ce sacrifice, eh bien, je n'allais pas me abandonner. Je ne renoncerai pas à ce sacrifice. Voilà. Donc, George sacrifice so de votre propre vie. Pour la cause de la révolution communiste, est-ce que dans votre sacrifice, je ne sais pas si c'est le terme approprié, vous aviez aussi envisagé de pouvoir tuer au nom de la révolution? The accused. I thought to join the revolution. The only thing I loved in my life was teaching.
Moi, ce que j'aimais faire, c'était enseigner. I hoped once the revolution won, j'espérais qu'une they fois would que la revolution vaincrait, on m'autoriserait à continuer à enseigner. This is my idea. I did not even think about going and doing what I did. Je ne pensais pas du tout faire ce que j'allais finalement faire. Selon vous, est-ce que le Parti communiste vous a reconnu des qualités particulières pour vous choisir en tant que directeur d'un centre de sécurité? Et quelles étaient ces qualités? What qualities, characteristics did they find in you? The accused. The qualifications or the quality they looked for was les qualités sincerity qu'ils recherchaient, to the c'était party. La sincérité vis-à-vis du parti. In my entire life, my superior knew me very well. Ma vie, mes supérieurs m'ont bien connu. Son Sen. Brother Chakum Ho. Chakum Ho. And later, brother Won. Et ensuite Von. That is Von Vet. C'est-à-dire Von Vet. They all knew me very well that I was a sincere person. Savaient que je suis une personne who très sincère. Not to hide anything. Qui ne cache rien. That was the quality. The quality that Communist Party c'était of Cambodia required from each member of the parties. La qualité qu'attendait le Parti communiste du Cambodia de chacun de ses membres. And another quality which was also important. Une autre qualité importante. Was to pay attention to whatever was assigned to do. C'était de prêter attention, d'être méticuleux dans la tâche qui vous était confiée. In my entire life, if I do something, I do it properly. Quand je fais quelque chose, je le fais bien. If I don't do it, I would not do it. Et si sinon, je le fais pas. The president, now it's time to adjourn. Déjà midi, il est temps de suspendre l'audience pour la pause déjeuner. Announce the adjournment. Nous allons donc suspendre. And the chamber will resume at 1:30 p.m. À 13h30. The security guard takes the accused back to the waiting room and bring him back d'emmener l'accusé before 1:30 this afternoon. Avant 13h30 cet après-midi. I also would like to inform the participants and the public, please return to your place before 1:30. J'invite aussi les participants à occuper leur siège avant 13h30. L'audience est suspendue. The graphy, all right. Veuillez vous lever.